Salut à tous les copains, c'est Arek, c'est Keke, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto 2 Minutes Academy, c'est parti! Alors, aujourd'hui on va parler pêche en mer avec un de nos meilleurs leurres d'eau douce. Ouais ouais, le ChatGT, et je vais vous montrer comment le monter pour la mer, donc avec une tête ange comme ceci, et tout ça en moins de 2 minutes. Allez, c'est parti! Donc, c'est très simple, il vous faut un ChatGT, une tête ange shad avec hameçon court pour ceux qui préfèrent. Donc, que ce soit en Méditerranée pour la traque du Danty ou en Atlantique ou en Normandie pour la traque du bar. Nous, on préfère utiliser ces petites têtes courtes, comme ça, le leurre va avoir beaucoup plus de liberté de mouvement. Et on lui met, comme vous le voyez là, un petit angle vers le bas, histoire qu'il nage aussi bien à la descente qu'à la remontée et également lors des tractions. Donc vraiment, ce montage a été testé et retesté, que ce soit chez nous en Méditerranée, comme vous l'avez vu dans pas mal de vidéos sur le Danty, et pour traquer les gros bars bretons avec cet indémodable ChatGT. Alors pour le montage, c'est simple. Donc on voit que la tête plombée va venir ici, donc avec un petit peu d'angle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, alors vous pouvez utiliser un couvercle d'aérosol comme ça, ou un couvercle de bouteille en métal, etc. pour couper arrondi, parce que vous voyez que la tête ici a une forme arrondie. Donc pour bien venir coller le leurre, il va falloir qu'on découpe le leurre de façon arrondie aussi. Donc là, on voit que ça va venir juste derrière l'œil. Donc on vient couper ici. Hop, et en tournant, en fait, ça va vous découper votre leurre proprement. Voilà. Donc vous voyez, on l'a coupé arrondi pour que le leurre vienne parfaitement coller ici. Vous voyez là, juste là, ça va venir se coller ici parfaitement. Donc comme d'habitude, on pique son leurre là. Hop, on pousse le leurre sur l'hameçon et on fait ressortir complètement au fond. Voilà, comme ça. Donc on vient mettre un petit point de colle pour assurer un bon maintien. Voilà, on met en pression le temps que ça colle, histoire que le leurre ne bouge pas. Et voilà, et là vous avez un leurre qui est parfaitement monté pour la traque du bar ou du Danty en bateau, en traction, en linéaire. C'est vraiment passe-partout et c'est, bah, vous l'avez vu, hein, surtout pour nous en Méditerranée, c'est vraiment le leurre incontournable pour traquer le Danty ou leurre souple. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous allez essayer le petit ChatGT en mer, vous ne serez pas déçus. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo de pêche et mardi prochain pour un nouveau 2 Minutes Academy. Allez, ciao ciao.